premièrement, je remercie le Mouakin TV. Un grand merci pour venir couvrir notre événement. Premièrement, moi, je suis un des organisateurs. Il y a deux organisateurs qui organisent cette soirée d'aujourd'hui. Il y a la Fédération d'Espoir d'Alcosima et SBL EWA. La raison de la soirée, il y aura une conférence et ensuite il y aura une soirée pour les chanteuses. C'est pour la journée de la femme internationale qu'on fête aujourd'hui. Donc l'Omsiyeh Nahara Ntig, يعني بمناسبة يعني عيد المرأة. الأمسية يعني كسدنين المصريين نتجا المهمين بزاف كسي المناظرة نتجا تسيور خل مشاكل الصحة ضمغاث وبالنسبة غير الشطر الثاني زي الأمسية هذه عبارة عن تحفة فنية هذه مجموعة من الفنانين وسيند يعني صغانا زي كرة مكان باش كيف نغ حضان باش كيف نغ سيورا باش كيف نغ غنان باش كيف نغ يعني شاركن باش المهرجانوا نتجا نسمى ثنشنين يعني ليزار سوكسان يعني الفنون فوق الخشبة باش ديري منايا غادي نخدم شاركنكس يعني الجمعيات الأشخاص وكذلك يعني غانغ المساعدات يعني الوزراء غانغ المساعدات العمداء يعني النواب العمدة إتربيك والنواب العمدة المولمبيك ونتمنى ان شاء الله يعني يمكن نغي حضر نهار راني غادي نغي تسران هذا نشجع المستقبل باش نحاول الانشطه ياتينا اكسن نخدم مليح اكسن نفكر مليح نتشكر لكم بزاف. Mais on m'a invité en tant que médecin diplômé en santé publique pour parler de la santé de la femme. C'est en fait Abderrachid Azdat qui s'occupe de la caravane du savoir et de projets de solidarité avec le nord du Maroc qui m'a demandé d'intervenir sur ce sujet. C'est un sujet important pour moi et donc voilà, j'ai accepté immédiatement. Je suis très contente de pouvoir parler de la santé de la femme ce soir. Voilà, donc Ahmed Janaï, député bruxellois et aussi membre de la commission santé, étant donné que je suis membre de la commission santé à la COCOF, c'était d'autant plus intéressant pour moi de prendre part à ce débat qui avait aussi trait à la santé dans le cadre de la journée des droits des femmes, journée internationale des droits des femmes. Donc je pense que c'était très intéressant, il y avait tous les éléments qui sont apportés dans le cadre de cette thématique-là particulière de la santé. Et donc voilà, donc ma présence ici c'était vraiment pour déjà prendre part à un événement qui est évolutif, puisque chaque année il y a un événement de ce style qui est organisé par les deux associations, donc la caravane du savoir et Hiwar. Et en même temps, c'est toujours très intéressant de voir l'évolution aussi des débats et aussi faire en sorte que un débat soit suivi aussi d'une soirée à caractère plus festif en mettant en avant aussi les artistes et les femmes en général. Je pense que c'est ça qui est très intéressant. Moi c'est Abderrachid Azdad,
Donc je suis en tout cas l'organisateur de cet événement qui s'appelle donc les Arts sur scène. Donc c'est la troisième édition des Arts sur scène à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, avec en partenariat avec l'association Hewar et le soutien de pas mal de personnalités et pas mal de services au niveau de la région de Bruxelles. On a pu en tout cas proposer au public bruxellois donc une activité qui était divisée en deux parties. La première partie était une conférence qui tournait autour des questions liées à la santé de la femme, et la deuxième partie va être consacrée en tout cas à tout ce qui est artistique et musical. Donc des artistes qui nous viennent de partout sont aujourd'hui là pour célébrer donc la Journée internationale de la femme et favoriser donc ce vivre ensemble, mais en même temps travailler sur des questions qui touchent à la créativité, surtout aux voix féminines. Donc c'est un travail que nous faisons depuis quelques années déjà. Et alors il y a parmi nous des parlementaires, des représentants d'associations, des représentants de collectifs de femmes, mais il y a surtout des représentants des administrations communales et aussi des députés régionaux. Donc cette activité va se dérouler, comme je vous l'ai expliqué, en deux parties. Mais la partie la plus importante, donc qui est la plus longue au niveau de la soirée, ça serait la partie consacrée à l'aspect artistique, mais en même temps il va y avoir un hommage qui sera rendu à deux femmes exceptionnelles qui ont consacré énormément de temps pour la défense donc des questions liées à la vie de la femme, donc qui sont Fatima Zibouh et Rehab Mohammadi. Et puis je tiens à remercier par cette même occasion toutes les radios, toutes les télévisions qui sont venues en tout cas en masse pour couvrir l'événement, à savoir la radio Al-Mouatine. Et par cette occasion, je tiens à remercier surtout les artistes qui ont depuis pas mal de temps été en train de préparer pour réussir cet événement ce soir. Ben voilà, bonjour à tous, salam alaikum. Ben, je me présente, je suis Lucie Nadia et donc je suis parlementaire bruxelloise et à la communauté française et également sénatrice. Donc je suis députée depuis 2004. Je suis très très heureuse d'être présente ici à cet événement. Et donc, comme le fait souvent l'ISBL, dans laquelle il y a notre ami Abd Rachid Azdad, c'est souvent à la fois pour deux raisons. Le fait que des causes sont souvent soutenues, très importantes en soutien à ce qui se passe au Maroc et ailleurs, et donc entre ici et là-bas, et aussi avec la qualité évidemment des artistes d'origine marocaine et de la belle musique arabe. Je pense que c'est vraiment d'un très très bon moment qu'on passe ici en tant que personne d'origine marocaine, et donc avec la qualité en plus des événements qu'il organise, c'est vraiment toujours un plaisir d'y être. Oui, mon nom est Colette Ndjongan-Fonke. Je suis médecin ophtalmologue et je viens à la commune des Torbec, je viens de la culture et je suis la présidente du centre culturel où se passe l'événement aujourd'hui. Alors si je suis là, ici, c'est d'abord parce que je suis une femme et je suis sensibilisée à la cause des violences faites aux femmes, des harcèlements et de la situation de la santé de la femme. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, principalement la santé de la femme et les femmes dans la santé. Donc c'est un thème qui m'est particulièrement cher et c'est le pourquoi de ma présence aujourd'hui. Yeah.